peut-être que l'une des grandes innovations que le nouveau cadre législatif a défini pour l'exercice des compétences des conseils des régions concerne le volet de la mise en œuvre de la démocratie participative, d'abord à travers les instances consultatives qui ont été mises par le législateur aux côtés du conseil pour l'aider justement à assurer son travail par rapport à un certain nombre de thématiques. L'évaluation qui en a été faite à travers ce que nous avons vu dans cet atelier de ce matin montre de façon claire que autant le principe maintenant est acté, autant la nécessité de mettre en œuvre tout ce qui doit être fait pour que ces structures puissent fonctionner de façon optimale est acquis pour tous, autant les conditions de l'exercice par ces instances de leurs prérogatives aujourd'hui continuent d'être entourées d'un certain nombre de zones d'ombre. La première de ces zones d'ombre, c'est d'abord l'accès à l'information. Je pense que c'est tout à fait évident aujourd'hui qu'on ne peut pas mobiliser des compétences de la société civile qui vont travailler à côté d'un conseil élu si ces compétences ne disposent pas de l'information actualisée, exhaustive, transparente pour pouvoir assurer leur mission qui est celle de produire des avis sur les questions qui rentrent dans leur domaine de compétences. La deuxième des questions, elle est en rapport aussi avec ça, c'est de quels moyens de travail doivent disposer ces instances pour s'acquitter de leurs tâches. Aujourd'hui, on le sait, il y a des limites au niveau des budgets qui font que ce qui est nécessaire au fonctionnement ordinaire n'est pas encore totalement disponible. Nous espérons qu'à travers les réflexions qui sont engagées aujourd'hui, les recommandations qui ont été faites aujourd'hui, que les prochains exercices budgétaires ouvriront de meilleures perspectives. Et puis bien sûr, la troisième et dernière problématique majeure, c'est celle du devenir de ces avis. À l'heure actuelle, ce sont des avis de type consultatif qui restent en termes de devenir entre, j'allais dire, la décision des personnels élus. Comment faire pour que la vraie valeur ajoutée de ces réflexions puisse véritablement alimenter la politique au niveau du Conseil de la région et devenir ce que nous espérons tous, un outil d'aide à la décision absolument essentiel.